Intéressant, c'est le côté Uber Shader, c'est que là vous voyez par rapport à avant où on avait ça, il fallait choisir un peu tout son bordel. Là on a un shader, enfin avec deux versions, qui permettent de. On choisit ce qu'on veut et puis nous on va aller recompiler que le shader qui utilise la combinaison qu'on a utilisée. Ça évite d'avoir la combinaison qui manque, normal, occlusion et juste une detail normale ou je sais pas quoi, un truc un peu exotique, et puis de pas l'avoir et devoir juste recoder le shader lab juste pour ça. Et ça c'est extensible, on file le code du standard shader, donc si vous voulez rajouter un paramètre, vous pouvez. Et voilà. Et ça permet aussi de faire des petites optimes aussi sur mobile quand on le compile sur mobile. Voilà. Les command buffers. Est-ce qu'on peut poser des questions? Ouais, carrément. Juste sur le standard shader, parce que je suis très convaincu de tout ce que tu as dit, mais ici il y a pas mal de gens qui développent pour mobile comme moi. Ouais. Et je trouve tout simplement pas que le standard shader est utilisable pour l'instant à mobile. Et je continue à chercher des shaders sur mobile. On peut faire vraiment des tests très simples. Tout le monde peut faire ça pour vérifier que le standard shader, même avec sans des normaux, sans tous ces effets PBR, est beaucoup plus lent que les shaders, que les anciens shaders sur mobile. Alors, pour moi, je ne trouve pas que ça ajoute du valeur sur mobile si je ne développe pas pour un device haut de gamme où je peux utiliser PBR, ça ajoute pas de valeur. Et par contre, ça pose des problèmes. On a souvent discuté ça sur les forums Unity pendant la bêta. Tout ça est confirmé. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Unity croit que tout le monde doit utiliser le standard shader. En fait, ouais. ça dépend de. Ça, les performances, ça dépend déjà de pas mal du hardware, je pense. Normalement, sur la plupart des hardware, alors on supporte encore les iPhone 4, etc. Mais sur toute la génération d'après, les performances ne sont pas énormément différentes, normalement. Parce que non, c'est, non c'est... ils sont différents. Ils sont différents sur un Nexus 5, ils sont différents sur un LG G3. J'ai testé plusieurs devices et ce sont des différences significatives. Ce ne sont pas seulement quelques pourcents. Il te faut le dernier. Est-ce que métal iOS, tu vois. Et là, ça marche. Non, mais normalement c'est pas. Ouais, normalement, c'est censé être assez proche, les performances. Ce que tes collègues des autres dev Unity m'ont expliqué pendant la bêta, c'est que sur ce type de use case où j'utilise vraiment rien au niveau de PBR, le problème avec le standard shader, c'est qu'il suppose un modèle de Lightning plus complexe que les shaders les plus simples sur mobile. Non, c'est sûr. Mais souvent, il y a toujours des téléphones qui sont 3-4 années. Ah, non, mais on a encore les shaders mobiles pour autant, quoi. C'est sûr que quand tu résous l'équation de conservation d'énergie, ça prend un peu plus de temps au niveau du pixel shader. Tu peux toujours utiliser les shaders mobiles pour tout le reste, quoi. Ils sont encore là. Mais c'est juste que le standard shader, il est fait pour donner, cet aspect plus matériau aux objets, et je pense que ça... je sais pas si ça... Toi, tu parles de quel type de jeu, en fait. Enfin bon, on en discutera après, je pense que c'est plus simple. Mais j'ai ton point. Mais parce que moi, normalement, je sais que j'en ai discuté encore récemment, parce que j'avais ces mêmes problèmes au cours de la bêta, et normalement, on m'a garanti que... On devrait avoir des perfs assez similaires, en tout cas sur des téléphones avec un pipeline raisonnable de shader, quoi.
Mais tu l'as pas vérifié toi-même. J'ai fait des applis dessus, mais pas. Enfin, moi, sur mes essais, j'avais pas d'énormes différences. Mais j'ai pas toutes les tablettes non plus. Donc, hélas, je fais pas partie de. J'ai pas les bonnes pratiques d'avoir un iPad 2. J'ai juste les derniers. Mais pour moi, sur les dernières tablettes, c'est pareil, quoi. Donc voilà. Mais c'est un bon point. C'est un bon point. Toi, la question, bon, on en discutera presque, sinon ça va durer longtemps. Mais on en discute après. Mais c'est intéressant. Le lead d'issues, il sera toujours plus rapide. Voilà, c'est ça. C'est du marketing. Alors, better, enfin. Global Illumination, Runtime Global Illumination. Donc voilà, c'est juste avant on utilisait Beast, Autodesk Beast comme middleware. Et en plus, une ancienne version d'Autodesk Beast. Et maintenant on est passé à Enlighten de Geomerix et on a aussi essayé de proposer un nouveau pipeline qui permet de moins appuyer sur le bouton bake, donc on peut aussi le désactiver encore, mais ce qui est sympa c'est que voilà, on bouge ses lights, on bouge ses objets et ça rebake en continu derrière. Et puis on a une qualité de global illumination qui est assez sympa. Je peux peut-être faire voir une vidéo. On utilise toujours des lightmaps, donc il y a toujours la génération. Oui, c'est toujours des lightmaps, ouais, tout à fait. Alors global illumination, peut-être que d'ailleurs je suis peut-être allé trop vite. Tout le monde sait ce que qui sait pas ce que c'est global illumination, vous avez le droit de le dire, c'est pas mal. Ok, je leur explique alors. Global illumination, c'est quand vous avez un, en fait voilà, quand on éclaire une scène avec un mur rouge, un sol blanc. Si on n'a pas d'illumination globale, le mur rouge n'a aucune connaissance du mur blanc, et du coup le mur rouge sera rouge et le sol blanc sera blanc. Alors que quand il y a de la globale illumination, normalement la lumière en vrai elle va rebondir sur le mur rouge, elle va devenir rouge, elle va rééclairer un peu le sol blanc qui est juste à côté. Et ça c'est des choses qu'on ne se rend pas forcément compte en vrai tous les jours, mais en fait si on regarde bien, souvent le haut des pièces est un peu plus sombre parce que justement un peu plus clair parce que la lumière rebondit sur les coins. Et voilà, c'est le petit détail qui fait que ça rend une scène assez photoréaliste. Voilà. Et du coup, le principe de la global illumination dans Unity, c'est deux choses. Là, c'est de calculer les rebonds de la lumière sur une texture, sur tous les objets, avec une certaine résolution. Et on va calculer les rebonds d'énergie, on va le stocker là-dedans. Soit on va stocker directement la couleur, enfin et du coup on va directement avoir par-dessus les murs à une fréquence un peu moins élevée cette illumination globale. Soit on va stocker les informations sans les appliquer pour autant à la couleur, ce qui va permettre au runtime de changer l'éclairage. Donc de se dire, ben, c'est quand on a une lampe par exemple, quand on a une lampe au plafond qui est blanche ou rouge, on va pouvoir, comme on n'a pas calculé directement la couleur sur les textures sur les murs, mais on a déjà l'information de quelle est l'influence de cette lampe sur les murs, on pourra changer au temps réel l'illumination globale. Donc si on veut qu'une porte s'ouvre, il suffit juste d'augmenter la valeur d'un quad qui va émettre, qui est émissif à cet endroit-là, et on va le changer au temps réel, et ça va rééclairer la pièce de manière globale. C'est pas très clair. Si, ça va. Je crois que j'ai un exemple quelque part que j'ai fait là-dessus d'ailleurs. On pourra le voir. Parcement de GI. Ouais. Pas le GI Joe. Donc là, on a vu en bas, là, il y a le petit truc qui tourne, c'est l'illumination globale qui est calculée. Donc là, on a calculé l'illumination. Et du coup, quand la porte est fermée, on a calculé l'illumination globale, on a stocké ces valeurs sur tous les murs. Et quand les portes sont fermées, on diminue juste la valeur d'un quad qui émet de la lumière juste derrière, qui représente la lumière extérieure. On a éteint toutes les lumières, toutes les lampes, leur valeur. D'illumination et ce qui fait que sur chaque pixel de la texture d'illumination globale on dit ben, y a aucune influence de ces lumières là parce qu'elles sont éteintes. Si on va pour ouvrir la porte, là on voit
on fait augmenter doucement la valeur d'émissivité du quad qui est derrière la porte, et ça va réallumer tous les pixels qui étaient dépendants de cette porte-là. Et pareil pour l'autre côté. Voilà. Et si on allume les lampes. Voilà. Du coup, là, on a de la globale illumination temps réel. Alors, c'est pas temps réel dans le sens où si je bouge les lampes, ben, on est mort. Mais c'est temps réel dans le sens où, quand même, on peut changer l'atmosphère. Contrairement juste au fait que ça soit complètement figé, on peut quand même éteindre, allumer les lampes. Voilà. Et si on ferme, ça marche aussi. Voilà. Et donc là, vous voyez bien, quand on ouvre, vous voyez bien que la lumière ne monte pas juste devant la porte, et ça monte globalement dans la pièce. Voilà. Donc ouais, je vais vous faire voir une vidéo, parce que ça, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est pas très beau. Donc, c'est quoi ? C'est le prochain Minecraft. C'est le prochain Minecraft, ouais. Alors, faut que je trouve. Voilà. Donc là, c'est un artiste qui bosse pas mal avec nous, qui s'appelle Alex Lovett, qui avait écrit 40 pages sur l'illumination globale, un blog post de 40 pages sur l'illumination globale dans Unity, et pourquoi c'était moins bien qu'Unreal. Et du coup, on l'a appelé, on a beaucoup discuté, et on l'a payé. Non, on l'a payé pour faire une démo. Et voilà, et en tout cas, ça a permis de faire vachement avancer le Schmilblick. Et il a fait une démo pour nous, donc ça veut dire qu'il était quand même il était content de bosser pour nous. Et c'est... Est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr. C'est pas ça. Il a été payé pour nommer sa vidéo. Ouais, alors ça c'est moi qui nomme très mal les vidéos. Et j'espère que c'est là. Ok, bon bah super, je sais plus où je l'ai mis. Bon bah voilà, et ben c'est super beau en vrai. Non, c'est con, 2 secondes. On a jusqu'à 22h, hein, c'est ça? Ah, c'est 22h. Ah non, mais les finds sur Mac, faut pas essayer. Mais je sais même pas le nom du truc à rechercher. Bon, c'est pas grave. C'est pas 22h, ok. Bon, alors. Ah, mais non, c'est là. Je suis bête. Voilà. Je l'avais classé.
soleil qui tourne et les ondes qui changent. En fait, on peut. Ça, c'est pas recalculé. Si, en fait, tu peux. Je crois que tu peux prendre des. Tu peux prendre en fait les light maps à différents moments et tu les interpoles après. Tu peux les blender comme on blendait le son tout à l'heure. Ouais, je pense, ouais. Là pour le coup, ouais. 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 Mais bon, c'est comme. Là, c'est vrai que ce qu'on voit, enfin, il faut voir que c'est. Lui, c'est un lighting artist qui bosse plutôt dans l'architecture, donc il est habitué au bake assez long, quoi. Ouais, mais je sais pas sur quelle machine. Je l'avais regardé sur YouTube en 1080 à 60 fps avec la vidéo, là ça ramenait. Ouais, mais YouTube c'est pas optimal. Mais c'est en vrai, ouais. Et pour moi c'était moins bien qu'Unreal, pour citer là. Ah, parce que vous intégrez Enlighten tous les deux, non? Ouais, on intègre Enlighten tous les deux. Je connais pas exactement tous les détails, il y a quelques trucs qu'on a. Maintenant c'est équivalent. Ouais, c'est à peu près équivalent. Il y a quelques détails dans l'illumination globale, dans certaines features un peu spéciales qu'on n'a pas. Mais je sais plus quoi exactement. Voilà, c'est un petit peu d'intégration. Dans Unreal, ils n'ont pas ce système d'intégration continue. C'est vraiment le baking à plat. Nous, on a essayé aussi de pas mal simplifier les paramètres. On a pas mal bossé aussi. Alors, ça a beaucoup changé pendant la bêta. Mais maintenant, je suis assez content que quand tu mets une light à 1, c'est une vraie light normale et pas saturée. Depuis récemment, dans les bêtas. C'est assez facile d'illuminer, enfin de faire une belle illumination globale, même quand on n'y connaît rien, parce qu'on a pas mal caché tout bazar de paramètres. D'ailleurs, on a réorganisé c'est la seule chose qui a vraiment changé au niveau de l'interface dans Unity, c'est le lighting. Avant, on avait un truc un peu bizarre dans. Je sais même plus ce que c'était, scene settings, render settings, voilà. Et on a un peu tout mis au même endroit cette fois. On s'est dit, bon, avant il y avait le baking d'un côté, les render settings, du coup il y avait la skybox d'un côté, le fog. Et du coup on a tout mis à cet endroit-là. Donc là justement, c'est là où on peut choisir le nom de la light map et pour pouvoir baker plusieurs différentes. Et du coup, c'est là qu'on choisit si. On voit que quand même le nombre de paramètres reste à peu près manageable. Et on choisit là par exemple si par défaut, donc là moi j'étais en pre-computed real-time GI, ça veut dire que j'ai pas vraiment baké la couleur dedans, je suis pas en baked GI, ce qui me permet de changer la couleur. Si j'étais en baked, ben, ça serait statique, il y aurait les couleurs qui seraient faites, donc il faut juste cliquer sur ce truc là. Et puis après il y a des paramètres comme la baked résolution qui va dire à quelle finesse on sample le monde. Donc si t'as. En gros, c'est un peu l'inverse de miniaturiser sa maquette, quoi. J'ai vu des gens il n'y a pas longtemps qui faisaient un bâtiment de 1 km par 1 km. Et du coup, ils l'ont juste réduit je sais plus combien, 100 mètres par 100 mètres. Donc ils ont fait comme si c'était un petit modèle réduit pour baker. Alors qu'en fait, normalement, la résolution, si on change la résolution, ça fait exactement la même chose vu de la real-time GI. Voilà, est-ce que c'est compressé, combien d'occlusions, et le final gazer, il va faire juste plus de passes à la fin pour calculer l'illumination. Voilà. C'est ça. Oui, on peut choisir aussi, il y a pas mal de... Le tweak qui se fait après, c'est souvent par objet, en fait. Donc après, on peut décider d'avoir plus de résolution sur un mur ou sur un endroit. Donc là, on se met juste dans l'onglet objet, et puis on va aller choisir les objets, puis choisir le scale qu'on veut, et puis quelques paramètres avancés à cet endroit-là. Mais voilà, ça reste quand même assez simple d'utilisation, c'était ce qu'on voulait, qu'on ait un bon résultat, et sans devoir trop se prendre la tête avec... Parce que Enlighten à plat, c'est des paramètres dans tous les sens, quoi. C'est des physiciens, quand même. Voilà, c'est ça. Et voilà. Donc c'est ça, après on a beaucoup de choses qui arrivent sur l'illumination globale, on l'a sorti, etc. Mais il y a encore du travail dessus pour le rendre un peu plus rapide, etc. Mais c'est déjà, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment chouette, enfin c'est mieux qu'avant déjà, largement mieux qu'avant. Et voilà. Ok,
est plus simple, plus rapide. Voilà. Faster, stronger. Mathieu ? Oui. J'avais une petite question. Dans une des toutes premières bandes réelles d'Unity 5, on avait une démo avec une voiture qui avance, les particules qui tapaient et qui illuminait globalement la voiture en temps réel. Est-ce que c'est une feature qui est prévue pour plus tard ou est-ce que ça a été zappé parce que ça consommait trop ? Je crois que c'était pas mal hacké ce truc-là. Ouais. Je crois qu'il y avait beaucoup de light. Et puis ça devait être un peu comme ma démo avec les lampes, où t'en allumes, t'en éteins. Ça m'avait beaucoup en fait à l'époque, je pensais que je cherchais à jouer avec l'initiative parce que j'avais pas oublié un truc et tout. Non, c'était pas mal. Cette démo-là, il me semble, moi j'étais pas là, mais il me semble avoir entendu dire qu'il y avait pas mal de hacks. Enfin, c'était vraiment pousser le truc dans une direction pour arriver à faire ça, quoi. Enfin, ça a été fait avec, mais c'était pas mal. Ouais. Oui. Je suis désolé, c'est encore une petite critique, mais je trouve ce démo super impressionnant. Et c'est pas la première fois que vous montrez des démos sur Unity super impressionnant. Mais ce qui m'énerve un peu, c'est que vous ne nous donnez jamais les sources. Nous sommes des devs. Nous ne voulons pas seulement regarder les images, nous voulons jouer avec ces démos, avec les assets, comprendre le code, débugger, tout ça. Et ce que je respecte vraiment avec Epic et Unreal, c'est ce qu'ils ont créé une culture où ils sortent toujours des démos et après quelques semaines, ils sortent aussi les sources. Par exemple, avec le Elemental, cette fameuse démo, une des premières pour la Unreal Engine 4, qui a vraiment fait beaucoup, une grande impression. Et après quelques mois, on pourrait vérifier que ça marche sur son propre ordi. Et vous avez tous ces démos avec Mechanim dans la 4, où vous avez montré tous ces features. Et on n'a jamais pu jouer avec ça. Et je trouve ça un peu... En fait, on sort quand même quelques démos qu'on on donne le source. Là, par exemple, le village viking, qui était la démo viking, elle est disponible là. La démo du lab avec Dr. Charles Francis, elle sort à la fin du mois. En fait, la question, c'est pas qu'on veut... Il y a deux choses, en fait. Quand on fait des démos... Une démo, elle sert à deux choses. Il y a des démos qui servent à montrer que ça marche et que ça marche bien, et puis qui servent d'exemple. Il y a une démo pour faire quelque chose, ça prend un certain temps. Pour le rendre lisible par tout le monde et qui marche sur toutes les, enfin qui marche et qui marche au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des versions, ça prend un autre temps, quoi. Et du coup, on a deux façons de faire. On a des démos comme ça, exemple, comme le village viking. Comme le lab qu'on va sortir. Et puis on a d'autres démos où le but, c'est de dire, ben, vas-y, pousse la bête le plus loin que tu peux, essaye d'en tirer le maximum. Le but, c'est pas forcément, c'est jetable cette démo, c'est juste pousse au maximum et éventuellement on en sort des assets. Donc par exemple, Butterfly Effect, on avait sorti pas mal d'assets qu'on avait donné après, mais le Butterfly Effect, il y avait énormément de code dessus qui était... C'est vraiment du code custom, comme un jeu, comme un utilisateur le ferait. Et nous, on sert de ça comme une bêta interne, comme une alpha interne des features. Et le but, c'est pas forcément de sortir quelque chose à la fin. Mais je suis d'accord qu'il faut sortir idéalement des choses où les gens puissent vérifier que cette feature-là marche. Mais là, on sort... voilà, on sort le village viking, le lab de Dr. Charles, et puis il y a une démo aussi que je voulais faire voir qui s'appelle Blacksmith, où là c'était plus une démo typiquement où essayer de faire le maximum, de voir ce qu'on peut tirer de Unity, et là pareil on va donner des assets plutôt que de filer la démo, quoi. Voilà. En plus il y a quelques fois dans nos démos on sert de choses qu'on n'a pas le droit de redistribuer aussi, tout simplement. Donc il y a des shaders, quelquefois, dans le Blacksmith, il y a un shader de cheveux, on n'a pas les droits dessus, mais on en avait besoin et on voulait faire la démo, et le but c'était de faire voir ça. Donc c'est pour ça, c'est pas forcément qu'on veut faire croire quelque chose,
C'est vraiment qu'on a deux styles de démos et que ça prend beaucoup de temps à maintenir aussi ces démos-là. Juste les standards A7, ça prend un temps fou à maintenir parce que voilà, il faut que ça marche partout. Les gens le prennent sur un mobile et puis voilà quoi. C'est ça. Quoi? De toute façon, après on sortira, on discutera un petit moment justement. Il y en a qui travaillent encore tard. Donc ouais, si vous avez des questions, gardez-les dans un coin. Et après, si vous avez des cartes de visite ou des trucs, vous pouvez leur filer. Vous balancez vos mails. Ouais. Bon, je vais vite fait sur la fin, je vais faire moins de démos. Alors les Reflection Probes, ah je vais faire quand même une démo. voilà. Ça prend deux secondes et ça fait plusieurs démos en même temps, donc ça gagne du temps. Donc ça, pareil, j'ai commencé à Unity, c'est une des premières démos que j'ai faites et tout le monde s'est foutu ma gueule de dire que je devais montrer mes bouncing balls. Est-ce que tu as montré tes bouncing balls à Amsterdam? Alors voilà, le truc... Donc voilà, la fameuse Reflection Probe dont on parlait. Donc là, voilà, c'est juste un Game Object. On va en foutre une deuxième pour moi. Hop. Voilà. Hop. Donc on voit là. On la voit pas, si on la voit. Donc on voit là en fait qu'on calcule dans l'éditeur l'environnement map. Et en fait on a plusieurs modes qu'on voit ici à droite. Donc là ici moi je l'ai mise real time, donc ça prend un peu de temps parce qu'il faut faire 6 rendus avec 6 caméras. Mais heureusement on peut configurer un peu le shadow distance, la résolution, le clipping, etc. Et on peut complètement customiser le rendu, donc soit on peut le faire baked, donc là c'est carrément, c'est fait une fois pour toutes. On peut l'avoir real time, mais on awake, donc par exemple quand on a un terrain procédural, on veut juste la baker une fois, enfin une pièce procédurale, la baker juste une fois on awake. Ou alors on peut faire complètement custom, et puis ça peut dépendre par exemple des cycles jour-nuit, on peut la rafraîchir toutes les minutes, etc. Voilà. Ou alors on peut le faire complètement par script et puis là on fait ce qu'on veut. Donc voilà. Et du coup, les bouncing balls. Je vais la mettre maximize. Maximize your bouncing balls. Donc voilà. Donc là on voit que la reflection probe elle se met à jour automatiquement. J'ai appliqué la reflection probe sur une sphère au même endroit avec un matériau spéculaire. Voilà. Et alors, du coup, ce que je voulais faire voir avec ça, c'est qu'on a, on a une nouvelle fenêtre dans le profiler. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Le profiler est dispo pour tout le monde. Voilà, le profiler est dispo pour tout le monde. Si tu commercialises bien. J'ai oublié le profiler pour tout le monde. Et le profiler, voilà, et le profiler pour tout le monde, il a même un timeline profiler qui permet de voir ce qui est nouveau dans Unity 5, c'est d'avoir un système de job pour pouvoir gérer tout ce qui est multithreadé. Dans Unity 4, il n'y avait pas grand-chose qui était multithreadé. Et du coup, là, on peut voir ce qui est multithreadé. Donc là, en l'occurrence, je sais pas où c'est parti. En l'occurrence, là, c'était pas là. Il est où mon profiler ? Là. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que j'ai foutu, je crois que j'ai appuyé sur clear avec mon pad. Ok, on est reparti. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? On peut plus. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe?
Et ben voilà, on a trouvé. Et pourquoi j'ai deux professeurs en... Ok. Il fait trop chaud. Unity, il ne faut jamais utiliser Unity quand il fait trop chaud. Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'on peut, quand on clique sur quelque chose, on peut faire.